Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour Johanna. J'espère que vous allez bien. D'ailleurs, je suis sûr que vous allez très bien. Éternel, je te confie toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo. Papa Yahweh, tu ne les as pas amenés ici par hasard. Dieu d'amour, de bonté, de miséricorde, je demande que tu leur parles à travers moi, que ta paix les localise à travers ma bouche, à travers ma voix, que tu leur montres le chemin qui pointe vers l'accomplissement de leurs désirs, l'accomplissement de leur mission. Je viens chasser tout ralentissement. I rebuke hindrances. Je chasse les découragements de votre vie. Et je dépose sur vous la paix, la force. Je dépose sur vous la restauration. Au nom de Jésus, amen. Ok, le message que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est que je vais t'enseigner comment sortir des anciennes choses. Je vais t'enseigner comment te relever de la dépression. Donc le passage que le Seigneur m'a donné, c'est Isaïe 43. Verset 18. Quand le Seigneur parle dans sa parole, c'est un commandement qu'il te donne. Parce que vous savez, je pense que, et moi aussi c'est ce que je croyais avant, je croyais que c'est le Seigneur qui vient faire certaines choses pour toi. Genre, ok, tu dois lire la Bible. Tu vas attendre, le Seigneur va te... Il y a une lumière qui va descendre sur ton lit, ça va faire Alléluia. Ta Bible se lève de ton chevet de lit, ça vient de tomber sur tes genoux. Et ça s'ouvre, ça se feuillette seul, ça s'ouvre à une certaine page. C'est ce que je pensais avant. Okay. Je pensais aussi que, ok, si peut-être tu traverses la dépression, ou bien si tu traverses quelque chose comme ça, tu ne dois rien faire, ok? Je croyais que tu dois attendre que le Seigneur te délivre de la dépression. Je ne sais pas si tu vois un peu. Genre, God is gonna do it, ok? God is gonna come. Oh God, délivre cette femme de la dépression. Oh God. Et puis elle se couche dans son lit, elle dort, elle pleure tous les jours. Et soudainement un jour, boum, elle sort de la dépression. Ou encore, quelqu'un cherche du boulot. Il reste dans son lit, dans sa chambre, sur son lit, couché. Seigneur, je veux le boulot. Seigneur, je veux le boulot. Et puis un jour, quelqu'un lui écrit, bonjour, j'ai pensé à toi. Est-ce que tu cherches du boulot? Parce qu'il y a une position de chef d'entreprise qui s'est libérée ici. Moi, je ne peux pas déposer ma candidature là-bas, mais j'ai pensé à toi. Le salaire, c'est 2 millions le mois. Moi, je touche 300 000, mais Dieu m'a parlé la nuit. Et il m'a montré que c'est toi qui dois avoir ce boulot-là. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Je pensais que même les grands hommes de Dieu,
C'est parce qu'ils ont l'onction. Mais il y a l'onction sur toi. Même si tu peux te mettre dans un endroit où il y a des prostituées partout, ça ne va rien te faire. Tu pars, tu te couches avec une femme qui est nue. Tu ne vas pas faire de fornication. Tu es honte quand même. Tu es honte, tu n'as rien à faire. Je sais que vous n'avez jamais pensé comme moi. Je sais que vous. Donc voilà ma part que je pensais. Donc, le Seigneur m'a fait traverser les passages, certains passages bibliques. Il m'a donné. Et je pense que le Seigneur m'a donné ces passages quand j'avais traversé l'une des plus grosses dépressions de ma vie. Et tu sais, quand tu viens d'avoir un coup, Larissa, tu riais. Quand tu viens d'avoir un coup, ce n'est pas sur le champ que tu sens les. Supposons peut-être ta mère meurt. Ce n'est pas quand on fait le deuil de ta mère que tu pleurais. C'est 2 semaines, 1 mois plus tard, quand tu as une situation. Tu prends le téléphone, tu passes le téléphone, le numéro de maman, tu veux lancer l'appel, ou bien tu lances l'appel. Oh, ma mère est morte. C'est le temps là. C'est le temps là que tu sens l'absence de ta mère. Ce n'est pas quand il y a les gens, oh ma fille, ça va aller. Ma fille, ne te dérange pas, le Seigneur. Prions pour ma fille. Tu sais, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Parfois, on sous-estime l'effet que certains événements peuvent avoir sur nous. Et vous devez absolument avoir les outils. Bonjour, bonjour, bonjour à ceux qui sont arrivés. Bonjour à ceux qui m'ont dit bonjour. Bonjour à vous aussi. Bonjour à ceux qui ne m'ont pas dit bonjour. Bonjour à ceux qui me détestent mais qui me regardent. Bonjour à vous. Je ne sais pas comment vous faites ça. Je ne sais pas comment vous me détestez mais vous me regardez chaque matin. Vraiment, je ne sais pas. Bonjour à vous. Bonjour. Ma tête vous énerve, mais bonjour. Bonjour à ceux qui m'aiment. Moi aussi, je vous aime. Ceux qui ne m'aiment pas, je vous aime. Voilà. Donc, c'est quand les événements passent que tu restes après. Oh. Mon père est déjà parti. J'ai besoin qu'on me sponsorise, qu'on me donne la direction de tel endroit. Mon père n'est pas là. Mon grand-père n'est pas là. Reçois, reçois ta lumière, Blandine, reçois. Vous savez le nom Reine Lumière, vous savez comment je l'ai eu. Un jour, j'étais en direct. C'est avec les gens en direct, c'est ça que j'ai trouvé mon nom. On a discuté. Vous pensez quoi de ça? Vous pensez quoi de ce nom? Vous pensez quoi finalement? On a dit Reine Lumière. Donc, vous devez absolument. Les outils que je vais vous donner ici. Parce que parfois, quand vous traversez une épreuve, vous pensez que c'est tout. Genre. That's it. OK, that's good. Il y a encore de grandes épreuves qui arrivent. Oui. Jésus lui-même a dit, je suis la lumière. Moi, je suis la lumière. Je suis la lumière. Je suis la vérité. C'est pour ça que vous devez, je dis toujours aux gens, ne mettez pas le mensonge dans vous. Quand tu viens, tu tolères le mensonge ou bien tu sais pas que tu es en train de t'abîmer toi-même. Tu te bloques toi-même. Chemin, vérité, lumière. Vie. Ce sont les choses comme ça qu'il dit toujours. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Tu ne peux pas être la vie sans être la vérité. Il faut absolument la vérité dedans. Et vous ne pouvez pas, vous, on ne peut pas faire comme ça avec Dieu. On ne peut pas le déjouer. Donc, le Seigneur m'a donné ce passage le jour où j'ai connu un des précurseurs d'une des grandes. J'ai eu deux grandes dépressions dans ma vie. Donc,
Et non, ça va. Et quand il me donnait ce passage, je ne savais pas que j'allais avoir besoin de ça. Parce que vous voyez, quand il y a un malheur qui arrive dans notre vie, la société veut qu'on puisse ruminer le malheur. Et d'ailleurs, quand à chaque fois que je vais dire aux gens, c'est comme si tu retournais encore le couteau dans la plaie. Il y a des gens parfois que quand tu leur expliques, ils veulent que tous les détails. Et parfois, c'est un peu comme si tu as une blessure sur le corps, non? Ok? Tu as une blessure. Maintenant, on prend le pansement, on applique dessus, on scelle. On te dit que n'ouvre pas, parce que si tu ouvres, ça ne va pas vite guérir. Maintenant, tu marches en route, quelqu'un te voit. Oh, c'est quoi ça sur ton pied? Tu enlèves le bandage, tout ça, tout ça, là, tu ouvres, tu montres, tu dis, regarde ma blessure. Je suis parti là-bas, je suis tombé. Le fait que tu ouvres ça, tu es en train d'empêcher à la blessure de guérir. Première chose. Et tu peux même encore étouffer ta blessure. Tu peux faire, supposons qu'on te dit qu'il faut 15 jours de traitement. Tu fais 5 jours, c'est bien. Tu fais 6 jours, 10 jours. Le 12e jour, tu ne respectes pas le traitement. Tu vas étouffer ta blessure encore. Et la douleur peut être encore plus pire que le premier jour. Voilà. Et il y a quelque chose dans ce monde, si ce n'est comme une énergie, ou même encore la société, les gens avec lesquels on vit, non. On est habitué à ruminer, retourner, régurgiter les douleurs. On est habitué aussi à s'apitoyer sur notre sort. Maintenant, je vais prendre ce qui est dans la parole aujourd'hui et je veux que vous puissiez garder ça. Parce que quand les attaques vont venir, il faut que vous utilisiez cela. Et la plus grande attaque est celle qui vient de l'intérieur de toi. Écoutez bien. The biggest battle is within you. Ta plus grande victoire, le royaume des cieux est en toi. Ta plus grande bataille est en toi. Donc, il m'avait donné Ésaïe 43, verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Imagine, le Seigneur te donne cette parole le jour où tu viens de te blesser. Il te dit non, je vais tu auras une belle cicatrice ou bien tu dis mais attends, je viens de me blesser, je n'ai pas besoin. Je viens de me blesser. Donc, il te dit, ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Mais je viens à peine de me blesser. Comment tu me dis que comment tu me donnes encore les promesses? Le Seigneur est dans le business et je pense que c'est même encore un signe d'amour. Le fait que tu traverses peut-être une zone d'ombre. Parce que quand David dit dans le psaume 23, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton. Tu vas traverser, mais quand tu traverses avec sa présence, c'est pas pourquoi tu traverses en pleurant, genre, ouais, Seigneur, je sais que tu es là, mais non. Tu peux traverser, mais la douleur n'est pas comme c'est censé être et ton attitude n'est pas comme pour les autres. Parce que n'oubliez pas qu'on a aussi l'âme et l'âme va vous jouer des tours. Je vous dis toujours, quand j'ai eu cette dépression en 2020, fin 2020, j'ai passé presque 3-4 mois, j'étais couché sur le lit, je regardais le plafond. Donc quand l'enfant part à l'école à 7 heures, je regarde le plafond. Parfois, il me donne à manger avant de partir. Je me tourne, quand il me tourne, il est 12 heures. Après, il me couche, je dors encore, je me tourne, il est 15 heures. Après, elle entre, j'entends comment elle a ouvert la porte pour entrer. Elle est rentrée. Elle rentre, elle vient me voir haute. Maman, je sors un peu de la chambre. Après une heure de temps, je ne peux pas encore me coucher. Je tourne sur le lit, 18h30. Après, elle me lève un peu, j'essaie de faire une vidéo. Ça ne donne pas comme ça. C'est là. Et quand je traversais cette période, je sentais qu'il y avait des émotions parfois qui venaient sur moi. Vous avez dit que vous êtes dans ce corps physique. Donc votre âme va vouloir déposer des émotions sur vous.
Il y a des jours, tu vas rester comme ça, tu vas te dire, ah, j'ai déjà trop souffert. Je mérite aussi de plus. Il faut quand même que ma soeur, je pleure aussi, non? Tu restes, les pensées commencent à venir dans ta tête. Oui, vraiment. Et tu as trop souffert dans ta vie. Comment telle personne a pu te faire ça? Vraiment, tu concoctes des choses dans ta tête. Et ton cœur te fait mal. C'est pour ça que la tension vient. Ceux qui ont des problèmes de tension, vous connaissez très bien le processus pour la tension. Connaissez très bien le processus. Comme maintenant, quand le Seigneur te donne un commandement, la reine, bonjour, reine Stra, bonjour. Bonjour Yann. Quand le Seigneur te donne un commandement, il vient quand tu as plein de mauvaises pensées. Ok? Il te dit, ma fille, un malheur vient de te frapper. Hein. Et voilà la parole que le Seigneur te donne. Il te dit, ne pense plus aux événements passés. Le monde aime qu'on régurgite les choses, qu'on explique aux gens, qu'on essaie de comprendre. Voilà, regarde un peu le groupe. Je t'ai envoyé un message dans le groupe. Qu'on régurgite. On voit ce qu'on aurait pu faire. On voit ce qu'on aurait dû faire. On voit ce que quelqu'un d'autre aurait pu faire. Ouais, je ne serais pas partie en prison si telle personne m'avait soutenue. Ouais, mais ça n'aurait pas été comme ça si telle personne avait été là pour moi. Ouais, c'était. Tu régurgites, tu régurgites, tu régurgites. Et quand tu régurgites comme ça, tu es en train d'aller à l'encontre de ce que tu es censé faire. Voilà un commandement, hein. Ne pense plus aux événements passés. Bonjour, bonjour. Ne considère plus ce qui est ancien. Donc, si ça fait une heure de temps que c'est passé, c'est déjà ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Et si ce que Dieu va faire dans ta vie dépend de ta foi, il dit, je vais faire. Et vous savez que Dieu fonctionne avec ce qu'il annonce. Dieu ne fait pas quelque chose dans ta vie sans t'annoncer. Si tu ne reçois pas l'annonce, ça veut dire que tu n'es pas vigilant. Roi Ibrahim, reine Nicaise, roi Martial, bonjour. Reine Marie-Paul, bonjour. Si Dieu fait quelque chose dans ta vie et tu dis qu'il ne t'a pas dit, c'est parce que tu n'as pas prêté attention. Ce n'est pas qu'il n'a pas parlé. Merci pour les cœurs. Donc, vous voyez, j'ai demandé la tasse depuis longtemps. Dépose alors. Ici. Vous voyez ici, là. Et lui-même, il annonce, il dit, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Merci beaucoup. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Je viens le matin de ce jour où tu as un désert dans ta vie. Tu n'as plus d'espoir. Tu ne sais même pas comment ça va se passer. Bonjour, monsieur Nguengan. Tu ne sais pas encore comment ça va se passer. Avant que tu n'aies de percée dans ta vie, avant que ça ne se détache, je t'annonce d'abord. Je pose là-bas. Ne prenez plus mes verres dans le bureau aussi. Donc Dieu ne peut pas faire quelque chose sans te dire. Maintenant, tu dois comprendre que à l'aurore de ta douleur, donc quand l'aurore, ça veut dire que c'est en train de commencer, Dieu t'envoie toujours une parole pour te permettre de traverser la douleur. Et ce qui te permet de traverser la douleur, c'est la promesse que Dieu t'a faite. Tu suis. Ce qui te permet de traverser la douleur, c'est la promesse que Dieu t'a faite. Il y a un autre passage que je vais chercher aussi pour vous lire.
Donc, dans ce passage-là, c'est... Je crois que c'est 2 Samuel. 2 Samuel 12. Bonjour Ablaï. Le roi Ablaï, comment tu vas? Dans ce passage-ci, David venait de perdre son enfant. L'enfant était malade et l'enfant était né de l'adultère et de la désobéissance de David. OK? Tu essaies de ne pas t'apitoyer sur ton sort, tu regardes les bienfaits de Dieu dans ta vie et tu t'approches de sa parole. Voilà, tu t'accroches à sa parole. Donc, sois encouragée, la reine Vanessa. Donc, regardez un peu ce qui se passe avec David ici. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux. 2 Samuel 12, verset 19. Et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et ils répondirent, il est mort. Alors David se leva de terre. Il se leva, soignit, donc il a mis l'huile sur lui et changea de vêtements. Dans la parole, quand tu te lèves, ça veut dire que tu changes de pensée. Chaque fois que tu vas dans la Bible, on dit que quelqu'un se lève, se leva. Ça veut dire que tu changes de niveau de pensée. Peut-être que là où il priait pour que Dieu sauve son enfant, il était là, ok Seigneur, ouais Seigneur, il plaidait encore avec Dieu. Il avait un système de pensée. Maintenant, quand l'enfant meurt, il quitte de ce niveau de pensée. Il change, il passe à une autre vitesse. Il change son vêtement. Et en Afrique, quand il y a le deuil, on dit plutôt que tu dois te faire ceci, tu dois te mettre le noir, tu dois faire ceci. Le Seigneur veut plutôt le contraire. Et là, il alla dans la maison de l'Éternel, il se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Alors que ça faisait des jours, il ne mangeait pas. Ses serviteurs lui disent, que signifie ce que tu fais? On croyait que comme l'enfant, quand l'enfant était malade, il pleurait. Quand l'enfant va mourir, il va seulement se tuer une fois. Tandis que l'enfant vivait, c'est David qui répondait, je jeûnais. Non, ce n'est pas David. Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Donc les serviteurs sont surpris. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais. Car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis je le fais revenir. J'irai vers lui, mais il ne viendra pas vers moi. Donc il n'y a que moi qui peux mourir maintenant pour aller vers lui. Mais lui, là, il ne peut pas revenir à la vie. David consola Bathsheba, sa femme. Parfois dans le couple, quand il y a des choses comme ça, là, le Seigneur va donner une parole, il va fortifier un peu plus une personne qui pourra consoler l'autre. Et il alla auprès d'elle, coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Donc voilà quelqu'un qui avait toutes les raisons de s'asseoir, pleurer, maudit Dieu même, que ouais, ça va, tu as pour mon enfant. Non, il comprend que c'était la volonté de Dieu, c'est bon. Il se lève, il encourage sa femme, il la console. Et la prochaine chose que Dieu fait, Dieu le bénit encore. Maintenant, on va partir dans Josué chapitre 1. On sait ici là que Dieu donne les promesses à Josué. Tu seras ceci, tu seras cela. Personne ne va tenir, nul ne tiendra devant toi. Chapitre 1, verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse.
Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Voilà les promesses qu'il donne. Maintenant, il donne une instruction. Fortifie-toi. Je suis avec toi, hein. Mais l'acte de se fortifier, c'est toi qui dois le faire. Bertin, bonjour. Je suis avec toi, mais fortifie-toi seulement et aie bon courage. C'est toi qui dois t'encourager. C'est toi qui dois te fortifier. Pourtant, je suis avec toi. Hein. Dieu est avec toi. Verset 9, il dit encore, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ça veut dire que c'est, on veut pas, on compte pas sur ta volonté. Ou bien comment tu te sens? On ne compte pas sur ta volonté ou comment tu te sens. On t'ordonne de te fortifier. Et s'il te dit ça une fois, deux fois, trois fois, en six passages, ça veut dire que tu auras une bataille de force. La force ne vient pas seule. Hein. Il y a des matins où tu dois te forcer la force sur toi. You go force and force on you. Tu comprends? You go force the force on you. Tu restes comme ça là. Les pensées viennent dans ta tête. Je me fortifie dans l'Éternel. Je me fortifie. Parfois, il y a des déclarations que tu dois écrire. Tu prends, tu lis à voix haute. Tu lis. Il y a des prédications que tu dois mettre, tu écoutes à tout moment parce que les pensées là, les pensées sont comme le moustique. Tu as le moustique dans ta chambre la nuit. Tu te couches, tu dors, non? Est-ce que lui dort? Toi, tu es en bon voyage. Est-ce que le moustique dort? Toi qui dors là, est-ce que lui dort? Oui, 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 oui. Il ne dort pas. Hein? Les mauvaises pensées sont comme des moustiques qui sont dans ta chambre la nuit. Oui, 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 oui. Il attend. Dès que je bouge un peu comme ça, là, il se cache. Après, il vient encore. Oui, 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 je ne sais pas. C'est le verre. Le sac. Peut-être dans mon sac. Ok. Et ces mauvaises pensées-là sont malignes. Ça va te prendre de court. Ça te prend généralement quand tu ne t'y attends pas. Et parfois tu vas un peu mieux. Je vous rappelle que tu as une blessure. La blessure, on te dit fais le pansement ou les médicaments. On te donne le médicament, on te dit prends ça trois fois par jour. Tu prends deux jours, trois jours, quand tu vas déjà un peu mieux là. Vous connaissez le traitement du palu, non? Après le deuxième jour du palu, tu vas déjà mieux, non? Tente de ne pas finir ton traitement. C'est comme ça que les mauvaises pensées là sont dans ta tête. Donc ne pensez pas qu'il y a des personnes ici dehors qui sont faites pour être toujours joyeuses. C'est un travail, ça demande le travail. Work. Tu décides volontairement d'enlever les mauvaises pensées derrière toi. Parfois, tu peux mettre un film, le film te rend heureux. Dès que le film finit, la tristesse vient. Tu vois que c'est pas le film qui va vraiment résoudre ça. Tu cherches peut-être quelqu'un, il vient à côté de toi, il reste à côté de toi. Tu pars peut-être chez ton gars, vous restez, vous passez la nuit. Le matin, non. Quand il va rentrer chez lui, ou tu vas rentrer chez toi. Ça va venir de trouver encore. Maintenant, imaginons, tu prends donc ces pensées. Et ça se combat comment? Le verset 8, Josué 1. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Je ne vais pas vous mentir, pendant la dépression, la tentation la plus énorme que tu as, c'est de parler mal.
Ah, je suis même pas belle, vraiment, je mérite même pas ça. Ouais, j'ai même cru que je suis qui. Hein? Je pensais même que ça pouvait aller. Ouais. Voilà la première tentation que tu as. Je ne mérite même pas ça, de toutes les façons. Ah, voilà comment ça commence. Et il dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ta bouche ne doit dire rien d'autre. Et c'est très challenging. Parce que l'ennemi attend les petits moments comme ça. Est-ce que tu sais que c'est quand tu te sens down que ta parole a le plus de puissance? Parce que ça vient avec les émotions. Et aussi quand tu as la colère. Toi, quand tu es fâché avec quelqu'un là. René, tu supportes le faux côté dans les films. Vraiment, René. Tu vois, quand tu es fâché avec ton enfant, tu es fâché avec ton mari. Les paroles que tu prononces là, ça vient avec la puissance. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux paroles que vous prononcez quand vous êtes fâché, quand vous êtes triste. Peut-être que quelqu'un vole ton argent de tout, ça te traumatise. Tu découvres qu'il a pris tout ton argent. La parole qui va sortir de toi là. Ou bien, tu vois souvent les gens qui font venir les gens en Bengala. Le gars arrive là-bas, il peut se marier avec une autre, tu te laisses. La douleur là, il y a une puissance qui vient avec ça. Ce qui fait que dans ces moments-là, si tu parles une mauvaise parole contre toi ou contre quelqu'un que tu aimes, tu peux facilement maudire la personne. Parce que quand tu veux briser ça, ouais, je brise la malédiction que toute mauvaise parole que j'ai dit contre toi, je brise. Vois peut-être quelqu'un qui fait ça et quelqu'un qui fait. Je te maudis que tout ce que tu m'as fait ne va pas marcher. Pour le mal, c'est que tu m'as fait. Tu vois, quand tu es en train de parler, quand tu as fait du mal, ça sort avec la haine. Et le diable attend ça pour aller agir mal sur la vie de la personne. Le diable attend, il attend nos paroles. Il enregistre seulement que Dieu, tu vois. Voilà, ça, il a parlé. Combien de fois vous avez mal parlé sur vos mariages? Tu découvres quelque chose, tu as mal. Tac, tu commences à parler avec la douleur là. Quand tu es sous la douleur là, va quelque part, tu te calmes. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Parce que toutes paroles qui sortent de ta bouche doivent être toujours des bonnes paroles. Tu as souffert de ça. Ok. Sois fortifié, Anne. Et il dit, médite-le. Donc, tu dois parler ce que la Bible dit. Et ce n'est pas seulement de dire que oh, je suis dans la paix du Christ, tout ça. Non. La Bible dit aussi que tout ce qui est pur, tout ce qui est bien, honorable, que ça ne sorte pas, que ça soit dans tes pensées. Donc, première chose d'abord, tu dois parler ce que la Bible dit. Deuxième chose, tu dois penser, médite là-dessus. Tu médites. Jour et nuit pour agir. Parce que c'est ce que tu médites généralement quand tu vas agir dessus. Quand tu vis avec un homme, tu te dis que si tu tentes un jour de me tromper, tente un jour de me tromper, tu vois, je vais te. Quand on entend souvent qu'une femme a coupé le tour de son mari, là, elle a coupé le tour de son mari, ou bien un homme est parti, il a tué. Il a tué sa femme, il a tué l'autre, il s'est tué lui-même. Bonjour, Tunkara. C'est parce qu'il méditait derrière ça depuis. Parce qu'on a tendance à agir sur ce qu'on a pensé depuis longtemps. La langue mélangée avec les émotions, ça peut construire ta vie comme ça peut détruire ta vie. Et parfois, on prend passe du temps à construire quelque chose. On prie, on fait tout. Si tu te laisses pas emporter par les mauvaises émotions, tu peux détruire tout ce que tu as construit. Dieu ne va pas t'empêcher de détruire. Personne ne va t'empêcher de détruire. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi un bon mari. Donne-moi l'argent, donne-moi la maison.
tu reçois. Quand ta bouche va se gâter pour parler, gâter la chose, personne ne va t'empêcher parce que tu as le pouvoir. Et il dit que c'est quand tu vas maîtriser ces éléments. Il dit maintenant que c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Donc même tes projets que ça marche pas. Parce qu'il y a des principes. Les incantations de preuve. Quand tu maîtrises les principes que la Bible enseigne, que quand vous allez faire n'importe quelle incantation, ça ne peut pas marcher sur ta vie. Il dit en verset 5 que nul ne tiendra devant toi, mais il donne les instructions pour qu'on ne tienne pas devant toi. Ça veut dire que rien ne peut être refusé. Rien ne peut être fermé comme porte. Rien ne peut te résister. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu dois savoir maîtriser ces émotions-là. Voilà. Depuis 14 ans. Depuis 14 ans, il ne trouve pas le travail. Parce qu'il y a des personnes dans notre entourage qui ont une puissance dans la parole. Et toute personne, quand l'émotion est mélangée dedans, comme on dit qu'on ne met pas le cœur là, quand il y a le cœur dedans, c'est pour ça que les relations amoureuses, ce sont les relations les plus complexes de la terre, parce qu'on met l'émotion dedans. Du coup, quand quelqu'un est trahi ou bien quand quelqu'un n'a pas ce qu'il espérait, ça peut tourner dans l'amertume. Parfois, tu avances dans ta vie, tes choses ne marchent pas. Parce qu'il y a quelqu'un de ton passé qui t'a maudit. Oui. Et tu peux détruire ce que tu as conçu pendant 5 ans en 2 minutes. Oui. Donc, je ne sais pas quelle douleur tu as traversée. Je ne sais pas quelle colère il y a eu en toi. Mais mon message pour toi ce matin... Oublie les choses passées. Le Seigneur est en train de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Si quelqu'un t'a pris de l'argent, quelqu'un t'a escroqué, tu as fait un business avec quelqu'un, il a pris ton argent, il ne t'a pas rendu. Écoute bien. La parole de l'Éternel pour toi. Ce qu'il y a devant toi est plus glorieux que ce que cette personne t'a pris. Ce qui arrive est plus costaud. Si la personne t'a pris 1 million, ne te dérange pas, 15 millions est devant. Reçois la restauration de toute finance qui t'a été volée. Salut Tunkara, tu es dans quel pays? Tu es au Gabon, c'est ça? Il faut que tu me contactes. Je vais prier aussi pour toi. Je vais prier pour les mamans qui n'arrivent pas à concevoir ou pour celles qui conçoivent et les enfants n'arrivent pas à terme dans le ventre. Donc, Kara, tu vas aussi prendre un kit chez moi, ok? Un kit déblocage. J'ai eu beaucoup de témoignages par rapport à ça. Il y a une dame qui m'a contacté l'année passée. Elle est ici au Gabon parce que je suis à Libreville actuellement. Et elle est venue, elle a pris un kit de déblocage. Elle me dit qu'elle avait à consulter 3 fois et l'enfant sortait toujours. Et quand elle est venue me voir le jour, elle m'a vu en juin quand je suis arrivée au Gabon. Elle est partie, elle est revenue me voir en décembre. Et là, elle me dit qu'elle est enceinte et elle était déjà à 5 mois et demi. Elle me disait que non, mamie, que le kit de déblocage qu'elle a pris là, ça, vraiment, ça ne doute pas, ça marche dans sa vie. Donc je vais prier pour toi, ton cœur, mets la main sur le ventre. S'il y a d'autres personnes aussi. Si on vous a dit que vous avez l'endométriose, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça. Il y a ça, il y a les fibromes, il y a les kystes. Je vais prier contre ça aujourd'hui.
Ton cara, si tu peux, il faut venir me voir. Je vais prier pour toi physiquement. Si tu peux. Je suis à Libreville. Si tu ne peux pas, je fais à distance. Mets ta main sur le ventre maintenant, comme je parle là. Ok? Éternel des armées, je viens m'accorder avec toute personne. Même si c'est un homme qui est le père de la famille, il est en train de m'écouter et sa femme conçoit à chaque fois les enfants partent. Éternel des armées, Dieu d'amour, de bonté, de miséricorde, par l'onction de prospérité, l'onction de vie, de restauration que tu m'as donné, par le pouvoir que tu m'as donné, Seigneur, de restaurer les utérus des femmes, je viens enlever toute matière morte qu'il y a dans votre utérus, dans votre corps. Je commande à toute forme qu'il y a dans votre corps, quel que soit le nom que l'hôpital a donné, kyste, myome, peu importe le nom, je commande à cette masse de se désintégrer au nom de Jésus. J'appelle la vie dans votre utérus. J'appelle la vie dans votre utérus au nom de Jésus. Je déclare que dans les semaines qui arrivent, premièrement, tu cicatrises toute opération qu'on t'a faite. Je déclare que ces opérations ne vont pas avoir d'impact sur ta prochaine grossesse au nom de Jésus. Je viens guérir vos cicatrices de l'intérieur au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui bloquait dans vos trompes, tout serpent, tout ver de femme, peu importe les blocages qu'il y avait dans votre corps qui empêchaient votre conception, je déclare à cet instant qu'ils sont dissous. Je les désintègre au nom de Jésus. Je commande la vie de prendre forme dans ton corps dans ce mois d'avril au mois de mai et je protège cette vie. Je viens enlever tout diagnostic maléfique que vous aviez avant, tout mauvais diagnostic ou encore tout mauvais suivi de grossesse que tu avais eu. Je déclare que le Seigneur t'amène dans les bons hôpitaux, vers les bonnes personnes. Je protège la vie que tu vas porter. Je déclare que tu vas amener cet enfant jusqu'à terme. Je déclare que cet enfant va naître et va vivre au nom de Jésus. Et toi-même, tu vas vivre. Je viens contre toute complication de grossesse que vous avez souvent au nom de Jésus. Je viens contre toute maladie qui se plante dans votre corps. Tout démon qui est dans votre corps, qui attend seulement quand vous êtes enceinte pour se pointer sous forme de maladie. Je vous en délivre à cet instant au nom de Jésus. Mets la main maintenant sur l'estomac. L'estomac, c'est ici entre les deux poitrines, entre les deux seins. Tu mets l'estomac, la main ici. Voilà, mets ça là-bas. Je commande à tout démon qui s'est planté dans ton estomac, toute ulcère d'estomac, toute inquiétude que tu ressens, toute peur qui fait à chaque fois que la peur te fait faire une fausse couche. Je chasse la peur de ton esprit, de ton corps, de ton estomac à cet instant, au nom de Jésus. Je viens contre l'hypertension. Je viens contre la ménopause précoce. Que même si c'est à 48 ans, tu vas concevoir, tu vas accoucher. Même si c'est à 55 ans, tu vas concevoir, tu vas accoucher. J'appelle ton cycle qui était parti là. Je rappelle tes règles, que ça revienne. Je rappelle maintenant tes règles, que ça revienne au nom de Jésus. Tout diagnostic qu'on t'a donné à l'hôpital, toute personne qui a dit que tu ne vas plus concevoir, que tu ne vas plus avoir d'enfant, j'inverse ce diagnostic et je déclare que tu vas porter tes enfants, tes jumeaux cette année 2023 au nom de Jésus. Je viens contre l'esprit de mort. Il n'y aura plus de mort dans ton ventre. Il n'y aura plus de mort dans ta famille. Tu ne vas plus pleurer quelqu'un au nom puissant de Jésus. Les seules personnes que tu vas pleurer, ce sera dans plusieurs années. Et ce sera tes parents. Tu ne vas plus enterrer aucun de tes enfants. Tes parents même, ils ne vont pas t'enterrer au nom de Jésus. Amen. Tu vas revenir avec ton témoignage. Ok? Voilà. Pour ceux qui étaient en train de vous hésiter pour pardonner, j'allège votre cœur. J'allège votre cœur. Je libère votre cœur de toute lourdeur, de toute amertume. Même s'il y a quelqu'un que vous pensez que la personne était à l'origine de la mort de votre enfant que vous avez perdu, même s'il y a quelqu'un que vous avez accusé dans votre cœur, ça pesait depuis, je déclare que vous lui pardonnez. J'allège votre cœur maintenant. J'allège votre cœur de toute amertume qui vous bloque. J'allège votre cœur. Visualisez quelqu'un avec qui vous étiez fâché. Nous bénissons cette personne au nom de Jésus. Nous lui envoyons de l'amour. Nous lui envoyons de la paix. Nous lui envoyons de l'amour. Nous pardonnons à cette personne pour que le Seigneur nous pardonne aussi. Je libère votre cœur de toute lourdeur. Toute fausse émotion que l'ennemi met dans votre cœur qui vous alourdit, je vous en libère. Tout
démon qui était dans ton corps, qui était dans tes bras, qui était dans tes cuisses, dans ton utérus, parce que tu avais l'amertume. Je te commande à l'instant de sortir de ce corps au nom de Jésus. Je commande ta libération. Tu es libéré de tout démon dans ton oesophage, dans ta trachée, dans ta gorge. Recevez que le Saint-Esprit vous remplisse de la tête aux pieds. Que le Saint-Esprit vous remplisse de la tête aux pieds. Je chasse la peur de ton esprit. Je chasse la solitude. Je déclare que tu vas poser des mauvais actes pendant ta solitude. Tu vas plus insulter les gens. Tu vas plus te fâcher avec les gens parce que tu es seul. J'enlève l'esprit d'abandon. Je déclare que tu ne te sentiras plus abandonné. J'envoie les anges dans ta maison. Je les pose aux quatre coins de ta pièce là où tu te trouves. Je chasse tout esprit de dépression qui est dans ta maison. Je vois quelqu'un que depuis le matin, tu n'as pas ouvert les rideaux. Tu ne veux même pas sortir de ta chambre. Je chasse cette vague de dépression. Tout esprit malsain qui est dans ta chambre, en bas de ton lit, tout esprit serpent, tout esprit scorpion, je les chasse. Au nom de Jésus. J'enlève la culpabilité. Tu vois, moi, tu penses, tu fais que repenser à un événement. Tu te dis que ouais, si je n'avais pas agi comme ça, ça ne sera pas fait comme ça. Ce démon qui picote ton esprit et qui ne fait que t'envoyer ces pensées-là, déposez la main ici. Je te libère. Je te libère. Je te libère maintenant de ce démon qui ne fait que te mettre la culpabilité dans ton esprit. Je libère ton esprit de toute culpabilité au nom de Jésus. Je déclare que ces pensées-là ne te localisent plus à partir d'aujourd'hui. Tout ce qui t'alourdissait, qui faisait quand tu passes là, on fait la prière, tu fuis. Tu passes là, on prie, tu fuis. Tu vois une vidéo de prière, tu fuis. Je te rappelle maintenant à Dieu. Tu reviens à lui. Tout ce que tu as fait qui fait que tu culpabilises par rapport à Dieu, tu crois que Dieu est fâché avec toi. Je te restaure. Demande pardon maintenant. Demande pardon. Le Seigneur va te pardonner. Toute culpabilité qui te séparait de Dieu, j'enlève ça de ton cœur maintenant. J'enlève ça de ton cœur pendant que tu demandes pardon. Je te remplis du Saint-Esprit. Je chasse tout démon dans tes bras. Je chasse tout démon dans ton corps. Tout mal de ventre, tout mal d'estomac, je te reconnecte maintenant. Je te reconnecte. J'active ta vie de prière à nouveau. J'active ta vie de prière. Que tu reprennes la Bible que tu avais jetée là. Je réactive ta vie de prière. Au nom de Jésus. Je réactive ta vie de prière. Je te reconnecte, je reconnecte ton cœur à Dieu. Tu t'es retrouvé dans le mensonge, tu ne savais pas comment faire pour sortir de là. Tout esprit qui est entré dans ton cœur, qui a mis une carapace autour de ton cœur, je brise cette carapace, cette insensibilité que tu avais à la voix de Dieu. Je te libère des actes de fornication. Je te libère. Tu sais que ce n'est pas bien, mais tu pars toujours faire. Je te libère maintenant. Je déclare qu'aujourd'hui, tu fermes toute cette porte.
Je te libère de la masturbation. Je te libère de la masturbation. Je déclare que tout ce que l'ennemi a mis dans ton cœur, toute personne qui a pratiqué sur toi, toute mauvaise parole, toute malédiction venant de ton père ou de ta mère, qui te rend accro à certaines choses qui te détruisent. Je te libère de l'alcool. Je te libère à cet instant. Je déclare qu'aucune arme qui a été forgée contre toi ne va prospérer. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus te masturber au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus te masturber au nom de Jésus. J'enlève la peur de ton cœur. Les gens qui regardaient le porno, toute personne qui t'a piégé, tout égrégore qui est ancré dans ton cœur, peut-être tu étais en relation avec quelqu'un et la personne regardait les pornos ou bien se masturbait. La personne t'a passé ça et vous vous séparez, toi tu continues avec. Toute personne qui est mariée mais qui se masturbe toujours dans, sur le côté, tu es toi à côté, tu te masturbes seul. Je ne sais pas pourquoi tu le fais. Je te libère de la masturbation aujourd'hui. Toute coquille, tout venin qui est entré dans ton cœur, à chaque fois ça t'amène toujours vers là. Je te libère, je déclare que tu es libéré à cet instant. Au nom de Jésus. Mon contact c'est le 237, plus 237, 693, 50, 22, 66. Le numéro est là-bas en haut. Plus 237, 693, 50, 22, 66. Je vous détache des pièges de la masturbation. Tout mari de nuit, toute femme de nuit qui vient toujours te prendre la nuit, te fait te masturber. Je prononce votre divorce aujourd'hui au nom de Jésus. Tout esprit d'alcool, de dépression, tout esprit que tu as pris parce que tu as traîné avec certaines personnes, je te libère de l'alcoolisme. Je déclare que le goût, tu n'as plus le goût ni l'envie, tu ne penses même plus à l'alcool. Je restaure tes organes qui ont été abîmés par l'alcool. Je restaure tes organes qui ont été abîmés par la cigarette. Tout ce qui est l'alcool, la masturbation, tout ce que ça a endommagé dans ta vie, je restaure maintenant ta vie. Je restaure ces points de ta vie. Si tu as perdu ton boulot à cause de l'alcool, tu as perdu ta relation à cause de l'alcool, je te restaure, je restaure le travail, je restaure la relation. Au nom de Jésus. Si ça a fait que ta femme ne te pardonne pas parce qu'elle t'a trouvé peut-être les actes d'adultère et tu ne te pardonnes pas toi-même, je déclare que l'acte d'adultère est pardonné. Je déclare que vous ne vous rappelez plus, vous ne parlez plus de ça dans votre maison. Je déclare que les dégâts causés par cet adultère sur votre relation sont enlevés. Ils sont inversés au nom de Jésus. Je viens unir les couples à nouveau. Je vous unis à nouveau. Ce que l'ennemi avait fait pour vous séparer, il a mis la zizanie entre vous. Quelqu'un est venu parler à la femme, parler dans ton oreille. C'est entré. Toute mauvaise parole qu'on t'a donnée contre ton mari, je l'ai retirée de ton cœur. Je solidifie et je fortifie votre relation. La Bible dit que celui que ce que Dieu a uni, que personne ne vienne mettre sa main au milieu. Je vous restaure. Je vous solidifie. Je viens remettre la confiance dans votre foyer. Que le Seigneur lave le cœur de ta femme. Que le Seigneur lave le cœur de ton mari. Que la confiance s'installe à nouveau. Que la confiance et l'amour et le respect s'installent à nouveau. Je déclare que l'amour que vous allez avoir dans les prochaines années sera encore même plus grand que l'amour que vous aviez au début de votre mariage. Au nom de Jésus. Je restaure votre foyer. Quel que soit l'esprit de Jézabel qui a emporté ton mari, quel que soit l'esprit qui a emporté le cœur de ton mari,
Vous ne vous reconnaissez plus. Ça a mis le manque de respect dans votre maison. J'enlève, je chasse de votre foyer toute vidéo, toute personne qui est à l'extérieur de votre foyer, qui est en train d'influencer négativement votre couple. Je chasse ces personnes. Toute mauvaise parole. C'est un coach que tu suis, c'est un pasteur que tu suis, qui te fait être toujours dans les problèmes de ton mari tout le temps. Je viens couper le lien qu'il y a avec ce pasteur. Je coupe les mauvais enseignements de ton cœur et je restaure ton couple. Je restaure ton foyer. Je guéris ton cœur de toute douleur occasionnée par ton mari. Je restaure le bon côté de ton mari que tu connais. Je restaure votre amour. Toute personne qui le manipule, que ce soit sa mère, tante, soeur, je m'accorde avec toi et nous coupons ensemble toute chaîne qui a retenu ton fiancé, toute personne qui l'a attaché, toute personne qui le manipule avec ses paroles, toute personne qui l'appelle pour le manipuler, toute personne qui allait travailler, qui a parlé sur son nom pour le manipuler, toute personne qui ne veut pas vous voir ensemble, qui allait parler, qui allait faire des incantations contre vous. Nous brisons cela au nom de Jésus. Que les écailles qui étaient sur les yeux de ton mari ou sur tes yeux à toi-même tombent. Je restaure votre maison. Je restaure votre foyer. Je restaure votre communion, votre harmonie. Tout projet que vous avez commencé à faire, chacun part de son côté. Je pars à gauche, je pars à droite. Je viens mettre l'harmonie. Que vous soyez d'un même esprit, d'un même cœur, d'un même accord. Toute personne qui t'influence pour que tu parles mal à ton mari. Toute personne qui t'influence pour que ton esprit à chaque fois ne pardonne pas à ton mari. Je te libère. Je mets la prospérité dans votre foyer. La prospérité. La paix sur vos enfants. L'harmonie. L'amour. Il y a parfois des hommes qui veulent t'aimer, mais ils n'arrivent pas à t'aimer. Parce qu'on a attaché son cœur. Toute personne qui a attaché le cœur de ton mari, de ton fiancé, du père de tes enfants. Moi, je m'accorde avec toi et nous le détachons de toute malédiction, tout sortilège, toute incantation faite dans sa vie contre toi. Toute relation à distance, et on est en train de le manipuler pour qu'il ne vienne pas peut-être te faire tes papiers ou bien te chercher. Je déclare que tu auras tes papiers cette année et tu vas partir le retrouver là-bas au nom de Jésus. Je déclare que votre foyer va tenir. Vous allez résister à la distance au nom de Jésus. Toute mauvaise idée, s'il y a un film que tu as vu, une histoire que tu as vu en ligne et qui a influencé ta façon de voir ton couple, tout plan de l'ennemi dans ta tête pour détruire ton foyer, j'annule ce plan. J'enlève ces images dans ta tête. J'enlève ces projets que l'ennemi a mis. Jérémie 29, verset 11. Je viens mettre les projets de paix dans ton cœur. Je déclare que ton foyer va avancer. Je déclare que vous êtes unis à la maison. Je déclare que vos enfants sont en santé. Je déclare qu'il y a l'amour et l'harmonie dans votre couple. Toute personne qui vit avec vous, qui vous manipule, belle-mère, belle-sœur, peu importe le nom de la personne, même si c'est vos enfants qui vous manipulent, je viens enlever les paroles maléfiques, les influences maléfiques, les sortilèges de ces personnes. On coupe. Même si c'est les enfants de ton mari et ils manipulent ton mari, nous détachons l'emprise sur leur père. Si c'est ta femme, nous détachons l'emprise qu'ils ont sur ta femme. Au nom de Jésus. Toute personne qui se sent menacée dans son foyer. Nous déclarons que c'est toi la mère de la maison. Nous déclarons que personne ne peut te détrôner dans le cœur de ton mari. Nous déclarons que personne ne peut te détrôner dans le cœur de ton mari. Nous déclarons que peu importe les situations que vous avez traversées ensemble, même s'il y a quelque chose que tu ne peux pas lui donner, peut-être tu ne peux pas accoucher naturellement, peut-être tu ne peux pas, peut-être tu ne, je ne sais pas. Nous déclarons, comme il a choisi de t'aimer, personne ne va te détrôner de cette place où tu es dans son cœur et dans ton foyer, au nom de Jésus. Toute personne qui a perdu son mari et la famille veut venir pour vous démunir. Tout ce que vous avez acquis ensemble, nous déclarons que ces biens-là, ça reste dans ta main. Tout complot, toute incantation pour te tuer, pour prendre les biens de ton mari. Nous déclarons que c'est annulé. Tu es protégé de la mort. Si c'est votre maman peut-être, que la co-épouse ou la belle famille veut la faire sortir de la maison. Nous déclarons que ta mère ne sortira pas de cette maison au nom de Jésus. Nous déclarons que si c'est au procès, au tribunal que vous êtes actuellement, vous allez gagner ce procès au nom de Jésus. Je fortifie votre famille.
tout ce qui fragilisait votre maison. Si c'est une première femme ou une deuxième femme ou une co-épouse qui a fragilisé la maison de ton père, je m'accorde avec toi, toi l'enfant de ce père-là, ou de cette mère. Nous sortons ta mère des griffes de sa co-épouse. Nous sortons ton père des griffes de ses femmes. Nous déclarons que ton père, comme il aime ses enfants-là, il va faire ce qu'il a l'intention de faire. On ne va plus manipuler ton père pour qu'il n'aide pas certains enfants, il n'aide que d'autres personnes. Contactez-moi dans l'après-midi à partir de 14h. Je viens fortifier ton cœur. Je te fortifie. Tout endroit où tu es, tu te trouves abandonné. Tu veux traverser, les gens qui veulent traverser là. Recevez l'argent et la protection. Je déclare que vos anges et mes anges vont vous protéger pendant que vous traversez. On va trouver votre place dans le prochain truc qui va partir. Et je mets la protection sur vous. Vous allez arriver à bon port au nom de Jésus. J'enlève la peur. Toute personne qui vient avec les mauvaises idées pour vous décourager. Toute personne qui vient avec les mauvaises idées pour vous décourager. J'enlève. Je viens fortifier votre relation avec le Seigneur. Je fortifie votre relation avec Dieu. Que ce que vous avez perdu vous soit restauré 100 fois. Au nom de Jésus. J'essuie vos larmes. J'essuie vos larmes. Je déclare que vous n'allez plus pleurer. J'essuie vos larmes. Je déclare que c'est la dernière fois que tu pleures de toute ta vie. Je fortifie ton cœur. Je solidifie ton cœur. Tu te lèves du lit là où tu es couché depuis des jours. Amen. Tu ne recevras plus des idées noires dans ton esprit. Tu ne recevras plus des idées de suicide. Tu ne vas pas te suicider, tu ne vas pas mourir, tu vas vivre au nom de Jésus. Je vous restaure, je vous fortifie, je vous solidifie. Toutes les prières que je viens de déclarer sur toi, personne ne peut venir enlever ça. Lève-toi, brille ce matin. Habille-toi bien. Je mets la joie sur toi. Tu vas marcher, tu vas chanter les mélodies du ciel. Je remets l'adoration dans ton cœur. Amen. Je viens sceller cette prière par le sang de Jésus. Papa Yahweh, je protège chaque personne qui a écouté cette prière. Je déclare qu'ils ne tomberont pas. Je déclare qu'ils ne faibliront pas. Je déclare qu'ils ne retourneront pas en arrière. Je déclare qu'ils sont fortifiés. Quand ils écoutent ceci, leur corps reprend la forme. Amen, amen et amen. Si vous voulez faire des offrandes ou bien si vous voulez payer votre dîme, si la prière vous a touché et vous voulez sceller cette prière, les envois d'argent, Orange Money, c'est le 655. 310750 655 310750 et le nom c'est Abbé Solo. On souhaite à l'étranger, c'est le même processus de plus 237 655 310750 donc plus 237 655 310750 et le nom c'est Abbé Solo toujours. Abbé Solo. Voilà. PayPal c'est Aurélie Michel. Aurélie avec E, A-U-R-E-L-I-E, Michel, M-I-C-H-E-L-L-E, 2017@gmail.com. En envoyant sur PayPal, vous envoyez en tant que don, pas pour un service, mais pour un don. Comme ça, PayPal ne va pas couper les frais. Voilà. Et puis, si vous allez envoyer par Airtel Money, c'est le 074 18 00 80. 074 18 00 80. Je m'accorde avec vous. Vous qui avez prié sur vos offrandes, je scelle ceci, offrande et dîme. Je scelle votre prière par le sang de Jésus. L'onction de vie, de prospérité, d'avancement,
de ce cantique qui assure ma vie, qu'elle parle dans votre vie. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Voilà. Passez une bonne journée.